Salut à tous, c'est Aquasi, on se retrouve pour la suite de notre petit vagabondage de la guilde des assassins. Donc là, j'allais donner le bois au maître de guilde pour refaire une petite beauté à la guilde. Je sais pas où elle avait des problèmes, mais apparemment elle en a, puisqu'il y a besoin de bois. Je sais pas ce que ça va me donner, je sais pas ce que ça va faire, on s'en fout. Voilà, il demande du bois, je lui en donne, je suis gentil. Coucou. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Je ne contrôle plus rien. Ah, je crois que c'est en train de vraiment fixer. Wow! Ok, donc ça y est, la guilde a été arrangée. Merci. Bon ben de rien, je ne sais pas ce que ça. Je ne sais strictement pas ce que ça a fait. Je ne vois aucune différence. Il n'y a aucune différence, sérieusement. En quoi mon bois a été utile? Oh, sérieusement. Toi, tu peux me donner du pain? Merci! Je peux en avoir encore un. Voilà. J'ai deux poissons. Donc maintenant, on va continuer. Donc maintenant, qu'est-ce que faire? Oula, il y a des ogres là-bas. Je vais éviter de m'aventurer là-bas. Je suis pas trop tenté par de l'exploration maintenant. En même temps, il fait nuit. Oh putain, un esprit de feu. Fais attention parce que sinon il va me cramer ma maison. D'un autre côté, j'ai besoin de faire un peu de chasse. Donc, vous savez quoi? Allez, c'est parti. On va lui montrer qui c'est qui crame. Ta gueule! Meurs! Meurs! C'est tout? Quelle mauviette! En attendant, ça m'a rapporté de la redstone. Ça va pas me servir, mais au moins. Après, je ferai de l'élevage de lapins, sérieusement. Putain, même le zombie, il a besoin de plus de coups pour être tué. Oh putain, encore un loup-garou. Oula, l'arrêt, elle vient dangereusement. C'est quoi ce bruit? Oh putain, c'est juste ça. C'est juste un loup méchant. Ah, il y a un bug de coloration. Mais dégage, casse-toi. Casse-toi. Tu n'es rien comparé à moi. Tu es nul. Et tu es moche. Casse-toi, t'es pas beau, t'es pas sage, t'auras pas d'os! Putain, mais oh, il a combien de PV? Tu rigoles ou quoi? Je viens de l'achever avec le truc en bois. Bon, bah écoute. Ah, un autre ennemi! Oh yeah! Et des os! Génial, je vais pouvoir adopter un loup. Enfin, avec un peu de chance. Je me demande si je ferais pas mieux d'attendre un peu. De toute façon, c'est pas parce que je n'en... Ah non, 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 pas bouffer cette merde! Sérieusement, qui a eu... Pourquoi ils ont eu l'idée de rendre les... Ah non, merde, là-bas, il y a les ogres. Faire attention. C'est ça qui est le problème maintenant avec Mokuretsu, c'est que maintenant, il faut être deux fois plus vigilant avec les monstres. Et... C'est pas... Oh putain, con. Il y a la myriade de monstres qu'il y a. Creeper! Creeper! Casse-toi! Creeper va faire boum! Oh. Oh, maîtrise du combat! Complète et absolue, je m'enrichis. Ah, un loup! Des loups plutôt. Quand l'autre. Comment ça s'appelle? Ah oui! Quand mon créateur sera en 1.2. Hop! Je pourrais adopter un chat. Ouais, j'ai un copain! Ouf, pile poil. Allez, loup, attaque! Tu tues pas mon loup, connard! Voilà, là, je commence à devenir, à avoir bien du fric. Ça va m'être très utile, j'ai pas besoin d'œufs pour l'instant. Ah, peut-être que si, je vais prendre l'œuf. Surtout si je veux commencer à... Oula, Enderman, on va le laisser tranquille.
Voilà, j'ai pris l'œuf. Qui sait si je fais un peu d'élevage après? Creeper? T'as pas intérêt à exploser à côté. Oh mon loulou! Cool, ça m'a apporté du fric. Wow, je suis à 500. J'ai essayé d'avoir assez d'argent pour m'acheter au moins une pioche en fer. C'est ça qui est dommage, parce que si on se bastonne suffisamment, on a déjà assez. D'ailleurs, je me demande, je peux pas acheter un ciseau? Parce que si c'est ça, je pourrais réaliser plus vite le défi. Non, le ciseau, je préfère... à la limite, je préfère d'abord me prendre une pioche en fer. Je trouve ça quand même plus important. Allez, viens là. Il est où? Viens là. Allez, rentre. Rentre. Tu vas pas rester dehors. Viens là. Qui est con? Il fait quoi? Il est où, maintenant, plus? Où il est? Où une araignée? Bah, il reviendra quand il voudra. En attendant... Aïe! Bien joué, yeah! Plein d'argent! Plein d'argent! Je vois ce que je peux m'acheter maintenant. Je me demande si je devrais me prendre une épée en or. Non, non, j'ai pas envie de gâcher l'épée en or. Enfin, de gâcher mes sous. Oh oh, il y a l'autre avec ses feux qui... Il y a toujours l'autre avec ses putains de feux là? Juste mon or. Je vais juste prendre de l'or. Je viens en paix. Ah. Bon, maintenant je vais pouvoir peut-être m'acheter des trucs. Est-ce que je peux me reprendre du pain? Ce serait bien. Comme ça moi j'évite de... Oh, méchant, j'ai envie de te tuer. Un Enderman au milieu de la cité, y a personne qui fait rien, sérieusement, c'est quoi ces branleurs? Lâche la fleur! Ah ben en fait il est gentil, il nous offre des fleurs. Oh, il est passé là-haut? Hmm? C'est qui s'est cassé la gueule? Bon. Bonjour. Voyons voir pour les Diamonds, ouais c'est dans les 1000. Et j'ai 600 encore, je pourrais presque... Next... Oh, je peux m'acheter des pièces d'équipement? Des crocs? Ça demande beaucoup d'argent? Ouais, donc ça doit valoir quelque chose. Par contre, Diamond Pickaxe, évidemment, plus de 2000. Par contre, Iron Pickaxe... Merci! Yeah, elle est là, parfait. Bon, je vais jeter ça là, pour ne plus jamais le voir. Casse-toi. Maintenant, attends, est-ce qu'il vend des seaux par hasard? Non, parce que... Attends, tiens. Hop, tiens, toi, je te fais cadeau de ça. Un seau... Non. J'en aurais bien besoin, bon. Et ben maintenant que j'ai une bonne pioche, on va peut-être commencer un peu de minage. En plus, comme il fait jour... Faudrait vraiment que je me renseigne encore pour ce chevalier. Parce que là je tombe d'affilée, donc dans le dernier épisode je disais que je m'étais pas renseigné. Parce que là, ben je viens d'enchaîner, donc là je me suis toujours pas renseigné en quelques minutes. Mais bon, je pense que pour le moment il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est juste un méchant et il vaut mieux l'éviter, tout simplement. Voilà. Alors avant toute chose, je vais aller récupérer juste 2 secondes, un peu de sable. Je vais prendre 3 sables. Tranquillement, on va pas se faire chier. Je vais me faire une bonne... Alors attends, il doit y avoir le vagabond. Alors, par contre, poisson, je me demande ce que ça offre. Quoi? Des slime balls? Quand tu regardes bien, c'est logique en fait. Mon loulou. Un petit loup à moi. Faudrait que je donne un nom. Je penserai lui donner un nom à un moment ou à un autre. Alors par contre, oh là. Lag, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui s'est généré aléatoirement? Oh, il y a un cheval là-bas. C'était quoi ce bruit? Wow, c'est grand. Hein. Sacré plaine. Eh ben putain. Un ours! Génial! Eux, ils ont toujours du poisson sur eux. Ah! Parfait.
J'explore juste les alentours, même si je sens que je vais le regretter. Déjà rien qu'à cause de ça là-bas. Il y en a un autre là-bas. Wow, la map est un peu... Elle est surplombée de ces machins. Je pense qu'en fait, ils doivent tenir un siège. Non mais en fait, si se téléporte devant moi, loulou, ça va pas aller. D'ailleurs, voilà, tiens, on va faire un truc. Laissez en commentaire le nom que vous voulez que je donne au loup. Tiens, allez, tant qu'à faire. C'est quoi ça? Un monstre? C'est quoi? On dirait un criquet qui a mal digéré. Oh, bon, bref. Alors, donc, on va mettre... Oh, faut vraiment que je lève cette épée de nom. Voilà, tac. On va laisser le faire se... Ah, oh, ça suffit, bon. Donc, je vais laisser ici tout ce dont je n'ai pas besoin. Ça. Ça, je le garde, ça, je le... J'enlève ça, je le laisse là, je vais en avoir besoin plus tard, ça je le garde. La dirt, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin des slime balls, ni de la rotten flèche, ni de ça. Ni de ça d'ailleurs. Les deux épées, je vais les terminer. Donc je vais m'en refaire une. Parce que l'autre, elle est presque cassée. Voilà. On prend le verre, on met le poisson. Et pendant que le poisson se cuit, je vais aller récupérer le lapin. Ah non, c'est vrai que je l'ai tué. De frustration. Bon, bah, il doit bien y avoir un lapin qui a réapparu quelque part par ici. Ça va, toi? Il y a quelque chose en dessous. Aïe. Oh mon Dieu. Par contre, je vais pas l'amener pour la séance de minage, parce que... Hein? Saleté de piaf! Je l'ai eu! Je l'ai touché, j'ai vu! Oh, un requin ou un dauphin? Je sais pas. Ah, je crois qu'il a faim. Ou alors qu'il est blessé. Le truc, c'est que j'ai pas de viande pour toi, mon pépère. Ah, la rotten! Est-ce que je peux le nourrir avec de la rotten? Parce que j'ai gardé la rotten flèche, alors à partir de ce moment-là. Oui, je vais te donner à manger. Oh, toi, ta gueule, toi. Alors. J'essaie de le faire rentrer dans la maison, ça va pas être évident. Viens. Viens là. Pourquoi il vient pas? Il coupe quoi? Voilà. Ah, voilà, il queen plus. Viens là. Allez, viens là. Voilà, il bougera pas d'ici en tout cas. Voilà. Voilà. On prend. Cakes. Ah non, la stone. La stone O. Je la laisse là. Ah, et la hache, tant qu'à faire. Je veux vraiment m'accaparer du moins de choses possibles. J'ai pas envie d'avoir un... inventaire tout. Et vous savez quoi? On va s'arrêter maintenant. Hé, la séance de minage sera pour le prochain épisode. C'était donc Aquasis, hein, pour Vagabondage dans la Guilde des Assassins. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner et faire tourner si les vidéos vous plaisent. Ou aller regarder les autres Vagabondages si vous n'avez pas encore fait. Et surtout, laissez en commentaire le nom du loup que vous voudriez que le loup ait. Donnez-lui un petit nom, regardez, il est mignon. Regardez bien sa tronche. Faut que ce soit un nom qui aille bien avec sa tronche. Il est différent des autres loups, ça se voit. Il a un petit pixel plus clair là, j'en suis sûr. Je mets quand même un coupé. Donc, je vous laisse lui donner un petit nom. En attendant, je vous retrouve pour le prochain épisode. Bye!